Et bonjour, internautrices et internautateurs. Cet épisode sera-t-il le dernier de cette série? Est-ce que nous aurons terminé notre bénédiction royale? Est-ce que la navette sera arrivée à la fin de cet épisode? Nous le saurons dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes. On a un petit groupe qui vient de tomber, qu'on va très gentiment ignorer. Et on va voir comment les choses vont se passer. Une petite grippe qui était... J'ai boulimie ce chien, écoute, pas très grave. Hop, ils ont fini de me réparer tout ça, c'est très bien. Deuil technologique. Pour papillote. Hop. Pour sur la maladie, c'est quand le prochain soin? C'est. Voilà, prochain traitement possible assez rapidement. Normalement, ça va se gérer. Bien. Je suis pas très inquiet. Ah, tu me diras. Ouais, son immunité, pas ouf. Allez, est-ce qu'ils vont me foutre la merde? Non. Hop, j'aimerais bien qu'ils passent tous en vert. Ouais, c'est vrai. Allez, tant que j'ai rien. Papillote, deuil technologique. Bloquant le soleil, quoi. Ça relève, il avance pas vite. Hein. Ah bah oui, il a pas de jambes. Ah, réconfortant. Plus 8, très bien. Hop, jambe gauche. Jambe gauche bionique. Pour aller un peu plus vite. Presque tout le monde est 100%. Va m'opérer Moussa Ravé, toi. Je vais leur donner une vraie jambe. Enfin, une vraie jambe bionique. Bon, bah, on sent que c'est la bonne entente entre Moussa Ravé et Canotès, là. Ah non, à Broudaf. Juste Morgan qui est encore dans le jaune. 26%, 26%. Ouais, ce serait bien. Allez, un petit siège. Avec la sœur de Katox. Katox, je suis pas sûr qu'il repartira. Avec le reste de la famille. Là, il faudrait que j'ai... deux personnes qui aillent vite s'occuper. Toshiro, t'es où? Tu répares le mur, c'est bien. Et tu vas d'abord aller manipuler le mortier. Qui d'autre est réveillé, pas malade? Personne. Hop.
Allez, on va construire tout ça rapidement. Tac, forcer une cible. Me cibler. Ici. Voilà. Tac. Et. Même endroit, histoire de voir potentiellement les deux. Hop, il lance l'assaut. Allez. Tout le monde sur le pont, même les malades. Et même ceux qui ont faim. Tac. Tac. Malice, Smoy. Damnamit. Nous servait. Il y en a qui ont la dalle. Hein. Je sais pas pourquoi les attaques ont été aussi violentes au tout début. Alors que. Je sais pas. Voilà. Sinon, c'est juste que j'ai mal géré les choses, ce qui est possible. Ouais. Il y a eu certainement des choses que j'aurais pu faire différemment, mais que je n'ai pas faites. Hop, Kiki, tu viens là. Il est un peu dans la. Allez, barrez-vous. Je veux plus vous voir. Tiens, un rein. Les autres, ils s'enfuiront. Tac. Alors, toi, tu vas. Flamity, tu. Qu'est-ce qui a bouffé un peu plus? Hop, capturé. Alors, hop. Il faudrait lui récolter son rein. Rein, poumon, foie, cœur. Boudaf. Organe 33, 33, c'est juste, hein, bordel. Broudaf. Non, c'est pas la peine de la nourrir. Hein. Rien. Pourquoi tu te déshabilles? Tu me diras, pourquoi pas. Pourquoi pas?
retient un organe. Très bien. Et Minigun. Bah, je suis content, mais je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre derrière? Tourelle, mais je suis pas sûr de m'en servir. Franchement, j'ai quand même plus grand chose qui m'intéresse. J'ai vraiment pas lutte contre l'incendie à l'extrême rigueur. J'en ferai pas. Donc, échec de ma chirurgie, zut. Bah. Rein droit, taillade. Bah, tu vas prendre le rein gauche. Tu soignes, oui. Allez, récupère-moi ce rang. Et bon. On va te soigner. Et Morgane est toujours en jaune. 38, 39, c'est à peine mieux. Je sais pas pourquoi, mais il a une... Oui, il n'y a rien de spécial qui fait que il est moins bien. Expire dans 12 heures. Oui, ce serait bon. Trop d'œuf que tu me le termines. J'ai un compresseur subi d'insultes, dormi dans la chaleur malade. Hop, rémunération. Précepteur de mages royaux. Tu m'envoies ravi. Résistance 41. Contre l'incendie. Allez, des rations de survie. Rien à faire non plus. Erisienne est mort pendant l'opération chirurgicale. Quel drame. Donc du coup j'ai récupéré un poumon et un rein. Ça peut intéresser du monde. Hop. Orteil, tarsus auriculaire et gauche. Nez. Oreille. Œil. Rein. 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 Gauche. Pif. Et qui c'est Morgane. Ok, au niveau des yeux, est-ce que j'ai eu le temps de faire un œil bionique? Non, pas encore eu le temps. Daf en termes de morale, est-ce que ça l'a fait? Oui. Bon, c'est bon, ça ne lui fait rien. Bon, ça va, l'immunité progresse légèrement plus vite. Et il y a de nouveau un... Allez. La navette arrive dans une heure. Désolé Katox, mais tu resteras sur place. Je pensais pas y arriver, je vais vous dire. C'était un tout petit épisode du coup.
Vraiment, je pensais pas y arriver. Morgane, on va attendre que Morgane soit de nouveau opérationnel. Catox. Un petit raid. Ouais, bah, je vais leur laisser ma base. Qu'est-ce qu'ils font de notre temps? Ils se préparent un certain temps. Vengeance du Grizzly. Oh bah. Ramasse-couille. Et Morgane avec ton brin. Voilà, il n'est plus incapable de marcher. Allez, on embarque tout le monde. Et on sera 20 à monter dans cette navette. Donc nos 5 invités, donc 15. 15 colons qui sont arrivant à repartir. Malice, Zmoï, Damnamite, Moussaravé, Célestine, Mangazor, Louri, Canton, Shobiti, Toshiro, Broudaf, Zikino, Morgane, Geki, Jik. C'était chaud quand même. C'était chaud. Tout le monde y est. J'espère. Elle y est. Hop. Hop. On vérifie. Tout le monde y est. Et ben, on décolle. Bim. Vous avez échappé avec la navette impériale. Ces colons se sont échappés. Malice, chasseur, Broudaf, agriculteur, Shobiti, vengeresse, Borizikino, Lascaris, Moussarazé, Mangazor, Zmoï, Kalotes, Dynamite, Morgane, Toshiro, Celestine, Geki, Stark, Kanton, Usuzuk et Siagria. Le grand stellaire va maintenant vous accueillir dans la flottille impériale en tant que noble membre honoré. Vous pouvez rester dans la cour impériale et vous lancer dans la course au pouvoir politique. Peut-être préférez-vous éviter le drame et profiter pleinement de la haute technologie et du luxe. Ou encore, vous pourrez vous décider à acheter un vaisseau spatial et mettre le cap sur le foyer que vous avez perdu depuis longtemps. Le choix vous appartient en mémoire de Hardarin, Postlevette, Akatsuki, Scorpicon, Everett, Onyx, Signe, Minae et Papillot. Bon, et ben, c'est fait. La fin de la quête aurait été nettement plus facile que le milieu de la quête. J'espère que cette série vous aura plu. J'espère que John Pacilis. Voilà. Désolé Catox, mais tu resteras ici. Il te reste un plat avant de mourir de faim. De toute façon, la base va se faire envahir par des raiders. Franchement, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Petit débrief personnel. Hein. Donc, j'étais au niveau du narrateur hein, sur Randy, donc au hasard, hein, Randy ne respecte pas les règles, il créera des événements aléatoires sans souci de savoir si cela créera une histoire glorieuse ou un désastre complet. Et bien là son drame, attention, puisque Randy est vraiment aléatoire, il vous enverra parfois des séries d'événements extrêmement difficiles ou injustes, cela créera des drames. Il y en a eu. Et des sacrifices inévitables. Il y en a eu aussi. On lutte pour la survie, donc on est quand même loin d'être sur le niveau de difficulté maximum, et quand même...
Ouais, j'ai fait. Il y a plein de trucs, genre. J'ai appris plein de trucs durant ce let's play. Mine de rien, ça fait. Et fin mars, je l'avais commencé en novembre, un truc comme ça, octobre-novembre, je sais plus. Entre-temps, j'ai vu des milliards de vidéos sur Rimworld, et puis même moi, au fil de la partie, j'ai appris des trucs. Hein. Je démarrais sur les deux premiers DLC, hein, Royalty et Idéologie. Il y a plein de trucs dont je me suis pas du tout servi. Et c'est un peu bête parce que Onyx aurait sans doute pu survivre et d'autres sur le raid qui a été tellement dramatique où j'ai perdu 3-4 colons d'un coup. Mais bon, c'est ainsi. Voilà, c'est un jeu qui est de toute façon réputé pour être difficile. Hein. C'est en même temps ça qu'on aime. Si c'était trop facile, ce serait presque pas drôle. Voilà, j'espère que quand même. L'histoire vous aura plu, moi elle m'a en tout cas bien plu. Hein. Je trouve que c'est vraiment un jeu où on s'attache à nos persos, hein. C'est bête à dire, mais franchement, quand les persos comme Postlevêque l'alcoolique, Ardarin, qui était mon constructeur star, qui est One shot de voilà, Malvinette que je retrouve contre toute attente. Scorpicon qui a aussi beaucoup combattu. Akatsuki un peu moins combattu. C'était plus un. Plus qu'il avait comme stat. Je l'ai pas ici. Lumina et Papillote, qui est la même chose qui m'a suivi, je crois. Papillote, c'était un des colons initiaux. Je sais plus, Onyx. Celle qui m'a permis de lancer. Pareil, c'était un colon initial, je crois, Onyx. Et vrai, c'était plus tardif. Mais... Ouais, moi j'aime bien. C'est vraiment un jeu que j'aime bien. Bon, j'y aurais quand même beaucoup joué pendant plusieurs mois, donc je vais pas forcément relancer ça tout de suite. J'ai découvert. Voilà, j'ai fait plein d'autres trucs entre-temps, mais non, c'est quand même vraiment un chouette jeu. J'espère que ça vous aura plu si vous l'avez suivi jusqu'au bout. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des commentaires au fil des parties, au fil des épisodes. Et puis même ceux qui n'ont pas laissé de commentaires et qui ont quand même regardé tant, pas forcément en entier, je sais pas. C'est ma grosse interrogation. À la limite, j'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire. Vous me disiez, oui, j'ai suivi un petit peu, beaucoup. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ma manière de faire. Il y a certainement des choses. C'est quand même vraiment le premier vrai let's play long que je fais en solo. Sur Total War Warhammer, je fais des. J'ai jusque-là fait que des parties multi. Voilà, j'ai certainement à apprendre en tant que, que narrateur. Mais voilà, donc un petit commentaire, vraiment ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez un peu comment vous avez vécu, si vous avez vécu. Et voilà, si vous avez regardé un épisode de temps en temps, un peu, bon, bref, dites-le moi aussi, ça m'intéressera de savoir un peu. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis bah, à bientôt dans d'autres jeux, dans d'autres histoires, et puis. Peut-être une nouvelle sur Rimworld un autre jour. Ciao, ciao!